Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vais m'équiper de mon oups. Oups, 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 oups. Oups, 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 de mes écouteurs. Oh là 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 là. J'aurais dû démêler ça avant de lancer le direct. Ah, c'est pas cool. Alors attendez. Hop là. Merdome, c'est un coup à tout faire tomber ma. Mon installation, on va tout calibrer. Alors, je suis un peu dans les vapes, pour rien vous cacher. J'ai pas spécialement bien dormi, malheureusement, cette nuit. Je sais pas, des vibrations au sol, j'ai entendu des boum 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 en pleine nuit. En plus, mon dîner, je l'ai plutôt mal digéré, ça m'a fait des. Pas des brûlures d'estomac, mais. Ça m'a pété la qualité de sommeil. Merde, je fais n'importe quoi. Tiens, allez hop. Et puis, je vous mets ma pub. Merde, comment je fais? Je sais même plus. Oh. Comment je fais pour vous annoncer, par exemple, mon adresse mail? Ouais, c'est comme ça. Bref. On continue, j'allais dire body count. Oh, ça va être sport aujourd'hui, hein. Je suis pas frais. Daylight. Là là, excusez-moi, mais bon. Je fais déjà vœu de bien mieux dormir la nuit prochaine. Ah non, pas eux. Oh non, activer la bombe, là je vais me faire déboîter. Non, tu vas pas aimer. Ah ouais, il y a du soleil. Les UV, vous aimez pas. Les UV, vous aimez pas. Pa, 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 pa. Alors. Merde, je l'avais. Ça y est, j'ai déjà un excité alors que j'ai à peine démarré. Aïe aïe aïe. Yes. Oh, des bijoux volés. Mais là c'était un gros paquet. Je commence fort, moi, ce matin. Ah, il y a les excités du bus qui m'ont repéré. Ouais, non, il y a trop de monde là. Il y a trop de monde. De toute façon, j'ai eu le meilleur des bulletins. Alors, je vais me blinder. What? Qui c'est qui m'a agressé? Ah, d'accord. Je me disais aussi. Aïe, elle est morte. Le sacré épée que j'ai. Je me suis fait une arme de fou. Donc le coup d'activer sa bombe, comme c'est un nid de super zombies, là, je sais plus quoi, les rapaces qu'ils les appellent. Faut que je fasse ça de nuit, donc je suis mal barré. Faut que je change de quête en fait. En attendant, bah, le coup des fusées de détresse, ouais. Ouais. Je vais faire l'objectif là qui est balèze.
ça c'est un objectif que je peux faire, qu'il faut même faire à mon avis de jour. Hein, je me souvenais pas de ça, tu vois. Oh, j'ai un déloustique. Ah, oh merde. Comment que je l'ai balancé? Ah! Ah si, ça me revient. Je me souviens de cette fourgonnette renversée avec de l'essence. Je peux bien sauter, de revenir au sol, moi. Oh, il doit y avoir des merdes là-dedans. Il doit y avoir deux ces trucs. Non, là c'est ouvert. Là par contre c'est plus mystérieux. On voit pas l'autre bout. Ouais, ça sert pas à mon intérêt d'y aller. Oh, je sens que je vais être zombie, je vais dormir debout toute la journée. Aïe, 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 vous allez pas me voir frais. Allez. Ok, nénuche. Oui, allez, viens. Voilà, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Oh, des herbes. Ah oui! Oui, oui, oui. D'ailleurs, je crois que j'ai commencé hors antenne à me... Putain, la vache, je l'ai pas vu venir, lui. J'ai regardé ailleurs. Violence. J'ai commencé à me faire des potions en antenne là. J'ai commencé à m'intéresser à l'alchimie. Et ça vaut le coup. Voilà. Petite plante. C'est intéressant. Ah, Burke, il y avait une morgue improvisée là. Oh là 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 là, ce charnier. Je voudrais pas dire, mais il y a des zombies qui vont approcher. Chopez-le. C'est vachement réaliste, j'aime bien. Où tu vas comme ça? T'es pas bien, toi? Il s'occupe pas du zombie. J'ai ça aussi qui peut être pas mal. Membre de patrouille en fuite. Alors, membre de patrouille en fuite, reste à savoir. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Est-ce qu'il va faire comprendre à Rice qu'il est démissionnaire et ça va foutre en pétard Rice parce qu'il va perdre de l'influence auprès de ses hommes et de facto il va perdre des territoires?
ou c'est l'inverse, c'est-à-dire que je risque d'avoir un renfort dans les prochaines minutes d'un commando spécial de nettoyage, on va dire. Merde, j'aurais pas dû rester dans ces émanations là, je me suis fait... Ouais, je me suis fait gazer, puis du coup ça attire du monde. Aïe 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 aïe. Ouais. Ah, une hachette à tout faire. Décidément, c'est la matinée bijoux de valeur. Je vais me refaire ouais, bijoutier là, c'est un truc de fou. Bonjour Poupon, comment ça va? Aïe aïe aïe. Oui, t'es premier arrivé, tiens, depuis que j'ai pris mon direct il y a un gros quart d'heure. Incroyable, je démarre ce matin, je mets la main sur des bijoux, des parures qui valent une fortune visiblement, plus dans des contenants que j'avais encore jamais vus jusqu'alors. Je sens que je vais me faire un joli butin. Là, alors moi ça va, dans la moyenne je vais bien, mais aujourd'hui j'ai pas de bol, j'ai mal dormi. J'ai mal dormi pour deux raisons, trouble digestif. Et ce qui a cassé ma nuit, c'est que j'ai eu dans mon quartier un truc anormal. C'est pas vraiment du bruit que j'ai eu, mais j'ai eu des vibrations. Comme s'il y avait... j'avais le sentiment que quelqu'un creusait un tunnel sous chez moi. Je sais pas ce qui se passe dans mon quartier, mais c'est pas normal. Et les vibrations m'ont réveillé par deux fois en pleine nuit. Donc c'est chiant. Ah oh ouais, je sais pas ce que c'est, mais... Alors, du coup, aujourd'hui, vous m'aurez pas frais. Je vais parler moins que d'habitude. Je vais être somnolent. Ah merde, mon arme est inefficace. Mais sinon, ensemble, ça va, hein, j'ai la santé. Hein. J'ai pas de rhume, j'ai pas de... Hier, par exemple, je me portais à merveille. Mais là, d'avoir une nuit pourrie, bah... Je passe à la caisse maintenant. Vaut mieux que ce soit ça un jour de repos qu'un jour de boulot. Parce que ne pas avoir toute sa tête quand on est censé se concentrer et bosser, là c'est mon pire cauchemar. Et surtout qu'en ce moment j'ai envie de dire, déjà en temps normal, avec l'actualité informatique, c'est pas facile. Mais enfin bref. Il faudrait que j'accède au toit du hangar comme avant. Vilain zombie va mourir. Wow. Oh, lui, il est sport. Vache. Il avait un bon physique, le gars. Mais c'est des... ils viennent tous des égouts. Les négos. Sûr que vers la fin, il y a une mission dans les égouts, c'est obligé. Pour les désinfecter, il doit y avoir un truc horrible en sous-sol. D'ailleurs, ça doit être logiquement un repère à rapace. Bizarre ces vibrations, tu pourrais en près de la mairie. Ah, oh, tu vois, j'aurais pas pensé la mairie. Mais tu vois, je pense avant tout à la solidarité avec mes voisins. Parce que j'ai des voisins qui sont sympas. Et on se passe le mot des trucs bizarres du quartier. Mais ouais, c'est vrai que c'était bizarre. J'avais vraiment l'impression que j'avais des travaux de nuit à côté de chez moi ou sous chez moi. Enfin bref,
C'était vraiment bizarre. Mais c'est chiant, ça fait... Tu sais, comme les basses d'une discothèque, c'est t'entends le boum, boum, boum. Enfin, entendre. Je l'entends un peu, c'est surtout que je le ressens. Après, j'ai l'impression d'être sur un plumard à... comment on appelle ça? À vérin hydraulique. Ça, c'est pas normal. C'est vraiment bizarre. Encore on joue de jour, je veux bien qu'il y ait un chantier de jour. Les chantiers de nuit, généralement, c'est l'été. Quand il fait trop chaud, c'est rare, mais c'est justifié pour que les ouvriers ne crèvent pas de chaud. Il peut y avoir des chantiers de nuit. Ça, je suis prêt à l'accepter. Mais le fait d'avoir eu des vibrations, là, c'était trop bizarre. Vraiment trop bizarre. Yop, cousin, merci du cadeau. Hein, je t'ai envoyé un petit mot. Merci tout plein, j'ai vu ça tout à l'heure. J'espère que tu vas bien. Je répondais justement à Poupon, là, qui me posait la question comment je vais. Que je suis pas frais aujourd'hui, parce que mauvaise nuit. Mais voilà, quoi. Mais c'est vrai que j'aurais pas l'idée de m'enseigner en mairie, à savoir, à l'occasion, il faudra que je passe et que je leur pose la question. Est-ce qu'ils ont vent de quelque chose qui justifierait les vibrations de nuit, quoi. Ah, lumière. Pa 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 pa. Rendez-vous en gare. Oui, je suis en train de me... Elle m'a repéré. Je l'ai vu sur mon radar, la vilaine. Voilà, il y en a du monde. Bon, bref, comment je fais pour monter sur le hangar? Je vais essayer de me concentrer dans ce que je dois faire. Voilà, c'est encore trop haut. Donc j'atteigne, ouais, ce wagon là au moins. Non, putain, mais comment j'ai fait la dernière fois pour aller sur le toit? Comment j'avais fait? Là il peut? Non, c'est trop haut. Wow, sur le bord du wagon. Oui, bah tiens, j'en suis tombé. Peut-être à partir de l'autre hangar. J'ai le souvenir vraiment d'avoir fait un saut d'un hangar à un autre. Ça doit être ça l'astuce. Il faut passer par le toit du premier hangar. Il doit y avoir des trucs là-dedans, non? Tant qu'à faire. Autant servir. C'est offert par la mission. Oh! Une malle accrochetée. Ça par contre, je m'y attendais pas. Ah. Surprise. Que j'aille me casser la figure. Non, il arrive à s'agripper. Mais non, il n'y arrive pas. C'est encore. Ah, il y a un truc là en face, j'avais pas vu. Oh là là. Alors, ça par contre, c'est la première fois que je le fais. Ok. Oh, 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 oh. Merde! J'ai mis le pied là où il fallait pas. Merveilleux. Oh là 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 là. Quand je vous dis que je suis pas frais ce matin. Que ça craint du boudin.
et que je vais vous faire de la mouise tout du long. C'est vrai que c'est fermé là, je sais plus. J'y avais fait un truc ici, il y avait une mission. Oh, il y a une malle. Enfin bon, bref. Là, c'est piégé, ça va se casser la figure. Donc je passe par là. Ah bah non, c'est fermé. Il y a une baie. Merde, mais comment j'avais fait la première fois? Bah merde alors. Bon, ça va, ça tombe pas. Je croyais que je passe par là, mais comment? Non. La configuration s'y prête pas. Ah, et là j'ai un... Mais non, ça débouche sur rien du tout. Non, c'est pas logique. C'est bizarre. Je m'étais précisément retrouvé sur le toit du hangar. Putain, j'ai cru que c'était un trou. Je m'étais retrouvé, entre guillemets, naturellement sur le toit du hangar. Dans de précédentes déambulations, sachant que c'était pas mon but. Ça l'est désormais, je n'y parviens plus. Ah 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 ah! Tout le comique de jeu vidéo. Là-bas, ça a l'air d'être pété, mais. Faut que je joue l'équilibriste sur la poutre? Ah non, mais il y a un truc. Je vais me casser la figure. Wow. Il est fort ce Crane, il est fort. Oh là 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 là, extraordinaire. Voilà, donc je disais tagadagadala et hop, un saut à la Matrix. Oh, j'ai failli me louper. Bon là, j'ai envie de dire interdiction de mourir. Qu'est-ce que... Là, j'ai gagné un excité. Je sais pas comment il m'a mis le grappin dessus, l'excité de mes deux. Oh bah lui, il est pas prêt de remonter. Ah yeah. Attends, c'est quoi le rouge? C'est un gaz balise ou c'est un gaz qui rend super zombie? C'est suspect cette histoire. Mais non, c'est un parachutage, c'est une balise classique. Pourquoi j'ai des super zombies dans cet entrepôt? Ah, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Voilà pourquoi. Ouais. Mais là, là, faut que je les allume, les Mickey. Ah! Je sais pas où sont les humains. Ah, ils sont dessus, ils sont planqués. Merde, ils ont des armes à feu. Oïe. Par au-dessus, je peux les surprendre ou pas? Je suis en droit d'utiliser la corde, c'est pas désagréable. Ah, il est sorti, le salopard. Allez, pas. Voilà, il est bien équipé, hein. J'ai du mal à lui péter les rotules. Vache. Oh là là, oh là là, regardez-moi ces super zombies, ils font presque mieux que moi. Il
Ça y est, encore un super excité qui m'a repéré. Apparemment, oui. Allez, viens mon gros. Ah, ils sont forts. Ok, il s'est mis en PLS tout seul. C'est très drôle. Il a été déstabilisé par ça. Il s'est mis de pied entre les deux tôles. Il a perdu l'équilibre. Enfin bon, bref. Je suis plus à ça près. Oh, il y a un vomito là. Là, le cri que j'ai entendu. Oh là, pioche primitive, c'est pas pour moi. Hop là. Non, je suis pas censé être en Judge Shifting, je suis censé être en Dying Light. C'est... Alors, normalement, dans ma catégorie Twitch, je dois être bonne parce que j'ai lancé sous Dying Light. Par contre, c'est peut-être mon habillage qui est en bug. C'est parce que tu lis papotage, peut-être. Mais ça, c'est un bug de mon logiciel. Enfin, merci de ta remarque, hein, Poupon. Mais normalement, j'ai... Ou alors, Twitch bug, hein. Je suis plus à ça près. Hein. Mais non, j'ai bien démarré mon OBS en validant le Dying Light. Ou alors OBS a planté aussi. OBS est en droit d'avoir des bugs. Oh la vache, vu la cavalcade. Attends, je vais vérifier à deux fois. Mon OBS, il dit quoi? Génial, je peux plus passer une fenêtre à l'autre, je sais pas ce qu'il me fait. Bah alors. Oh, l'ordi qui commence à me la faire à l'envers. Ah, pas besoin de ça. Alors, oui, je suis officiellement sous Dying Light. Alors, qu'est-ce que je vous renvoie comme signal? Ah oui, just chatting. Alors j'ai un bug avec mon... D'ailleurs c'est bizarre que ça dise just chatting, ça devrait traduire et dire papotage. Je vais relancer mon application, elle a bugué. Intéressant comme bug. Bizarre. Merci hein, de la remarque, Poupon. Papotage. Bon, c'est déjà ça. Et d'ici 10 minutes, il devra me déclarer le jeu en habillage. Un bug. Là, je reconnais. Je reviens à mon application que je suis en train de développer. Et comme elle est en cours de développement, il y a des bugs que j'ai pas encore débusqués. La faute me revient, mais à coup pas. Ah. Lingal. Attention. Merde, j'ai une super excité. Oui, j'avais bien compris que la malle te dérangeait, ma grande. Oh, pff. Ah non, j'allais dire elle est morte, mais non. Ah.
Pont aérien. Oh là là, il y en a du bon monde. Oh là là. Non, c'est pas ça qu'il leur faut. Ce qu'il leur faut, c'est du cocktail Molotov. Ouch. Un peu violent. Il restait encore beaucoup de liquide inflammable dans le... dans le bidon, disons. A fait un joli boom. Hop là, joli. Oh, un cadeau. Oh, un kit de soins. C'est apprécié comme cadeau. Allez, viens ma grande. Comme elle est nunuche. Elle est nunuche. Elle est mourue. On n'en parle plus. En fait, c'est autant de zombies à zigouiller, si j'ai bien compris. Ah non. Bizarre. Ah, je pourrais peut-être les attirer. Ah, mais j'ai plus de pétards. Bah. Comment ce fût-ce ? Pourquoi j'ai plus de pétards dans mon inventaire ? Merde ! J'ai peut-être rangé accidentellement les pétards dans ma planque. Ah, merde ! Oh, stratégiquement, c'est pas cool. Ah, tu lances ta PS1, c'est bien, cousin. Mais si, j'ai des pétards, ils sont là. Ah, les hachettes de jet médiéval. J'ai un arc. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des hachettes, moi? Oh là là là. C'est ça que j'aurais dû déposer. Ah oui, je me suis fait 50 boosters d'endurance. Je me dope aux herbes dans le jeu. Ça me plaît. Le concept me plaît beaucoup. Oui, donc j'ai des pétards. Je voulais me la jouer stratégique, moi. Voilà, tirer les pétards au niveau de l'explosif. Enfin, les zombies au niveau de l'explosif. Si je retrouve mes touches. Oh merde, ça va péter encore. Je voulais pas que ça pète tout de suite, mais bon. Tant pis. J'ai merdé. Ça y est, elle est morte, la madame. Non, pas du tout. Là, c'est bon. Oh, la malheureuse. Oh là là, les excités qui tapent sur les... Il tape pas sur des bambous. Sur le rideau de métal avec ses genoux. Et il va s'écailler le tout. C'était le zombie du jour. Ah! Mais il s'empile comme des maboules. Les maboules. Oh la vilaine. Ah! La vilaine qui pleure. Allez, je peux faire un coup bien chargé. Allez, endurance. Violence. Oh, c'est dégueulasse. Ah, ils sont pris de... Oh, c'est répugnant. Ce jeu est répugnant. Va mourir. Oh. Je rappelle une nouvelle fois que ma chaîne est 18+. Ouais. De bon matin, bon petit déjeuner, c'est super ragoûtant. Oui, oui, oui. J'aime bien ce jeu dans le sens horrible, il me défoule. Mais vraiment. Il me défoule bien. Ouch. Merde. En fait, je chargeais mon coup, mon bras. Mais j'attends trop de temps, donc en fait c'est eux qui ont le dessus. Puis je finis par plus avoir d'armes, là. Mon arme va être complètement pétée. Voilà, c'était ça. Mon arme est brisée. Attends, attendez, je vais revenir à la charge les... Ah, pourquoi pas l'arc? Pourquoi? Ah oui, attends, c'est pas con. C'est pas con. Comme ils savent où je suis mais qu'ils sont bloqués. Allez! Hop, chacun sa petite flèche. Suivant!
Hop là. Suivant. J'ai dit suivant. Eh oh, arrête de jouer à cache-cache, toi, je t'arrache le bras. Ah, je l'ai eu. C'est comme ça qu'on fait. Mais c'est génial, j'ai plus qu'à faire ma récolte. Et je récupère les flèches d'origine. Que demande le peuple? Non mais l'arc s'est complètement craqué. C'est l'arme numéro 1 du jeu. C'est obligé. C'est obligé. Et puis, ma précédente ânerie, c'est que j'achetais mes flèches chez les marchands. Mais non. Le top du top, c'est de les concevoir soi-même. Parce que je maîtrise la recette de conception des flèches. Oh, bonjour, la race moquette. Des herbes de Provence, ouais, c'est Christella qui est la dealeuse, ouais. Encore, pardon, mais en parlant d'herbe, je pense plus à... Surtout la Provence, je pense à Funfan. Oui, de la cervelle au petit-déj, j'ai essayé, oui, Burke. C'est marrant, je parlais avec Edgey et je crois Nayonet cette semaine, ou le week-end dernier. Le coup, qui a pas essayé le petit-déjeuner anglais, le breakfast? Le coup de l'œuf sur le plat, la tranche de bacon avec le toast. C'est très anglais. J'ai jamais essayé, mais j'aimerais bien essayer. Razmoquette, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis pas frais. J'ai mal dormi pour deux raisons. Problèmes gastriques et problèmes environnementaux. Des vibrations dans le quartier de nuit, un truc pas normal. Bref, j'ai dormi en pointillé. Mais c'est un jour de repos. Par ça, ça va. Merci de demander, mon cher Razmoquette. Ah, j'ai plein de petits paquets à récolter. Oh oh. Oh 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 oh. Je l'électrise. Non, dans les faits divers qui m'attristent, c'est la disparition de Marion Gamme. Qui était la maman de Virginie Ledieu, qui est également comédienne. Et Virginie Ledieu, bien que j'ai jamais rencontré, j'ai un gros capital sympathie pour la demoiselle, puisqu'elle était la voix française du personnage Athéna dans Les Chevaliers du Zodiaque. Je me permets de vous rappeler que je suis de la génération Club Dorothée. Et qu'elle avait très gentiment, cette scène est horrible, elle avait très gentiment coopéré avec Joueur du Grenier pour justement détourner sa voix de la déesse Athéna pour en faire un truc délirant. Enfin, faut voir les productions de Joueur du Grenier. Bon, voilà, quoi, c'est la vie. Mais je sais pas pourquoi, Marion Gamme, elle présentait vachement bien. Elle est morte, je crois, à 86 ans. Moi, sans déconner, je la voyais centenaire. Je me disais, mais elle semble être pétillante dans la vie de tous les jours. Et finalement, bah... Oups. Ça m'a ému, hein. Je l'ai lu ce matin, hein. Je l'ai appris ce matin. J'ai regardé brièvement l'actualité. Ah, ça m'a ému. Alors, trouver la poudre de zinc, trouver la térébenthine, d'accord. Ah oui, il y a le boss, c'est vrai, faut que je me le fasse, lui. Mon arc et mes flèches. Ah oui, c'est vrai, et puis j'ai une arme de bousier. Oh là là, merde, je suis de la merde. Oh le con. Je sais pas comment il a fait pour allumer un feu, mais il l'a fait. Oh vache. Alors ça, c'est peut-être moi accidentellement, ma flèche qui est passée sur le côté. Ah oui, aïe aïe aïe. J'ai bien aimé son gémissement de aïe aïe aïe. Alors ce qui est dangereux, c'est que je me tiens à côté d'un tonneau d'explosifs. Si l'incendie m'atteint, je suis mort. Qu'est-ce qu'il nous a fait, le... Hop, flèche dans le fion, pardon.
Alors, monsieur Porc-Épic, tu vas mourir là avec toutes ces flèches ou pas? Merde, j'ai loupé. Oula, faut que je change d'arme. Oula. Alors, mon arc, j'y retourne. Attends, je peux le fouiller quand même. Ah, il est en train de mourir, non? Et j'ai mis ses biens là. Ah, victoire par KO, on va dire. Bon, en espérant que l'incendie s'éteigne. Parce que je ne manipule pas les produits chimiques brûlants. Hein. Faut pas déconner quand même. Qu'est-ce que c'est que cette malle? Raymond va être perdu tout seul sans sa guéguette. Ouais, je sais pas comment ils vont faire au niveau de scène de ménage. Justement, c'est une série qu'adore ma maman. Donc, d'ailleurs, je vais l'appeler demain, ma maman. Et mon élu, elle va être triste ou nette. Elle va être triste ou nette. Parce qu'elle aimait beaucoup l'actrice. Merde, oui, voilà. Tac, tac, tac. Je veux récupérer mes flèches, monsieur Porc-Épic. Rends-les-moi. Oh la vache. J'en ai planté une douzaine là. Waouh. Je crois que j'ai tout récupéré. Alors, avec un peu de chance, je suis peinard maintenant. Ah, tiens. Un coffre au cadeau. Le coffre au cadeau. C'est-il pas beau? Je vais vous l'ouvrir avec brio. Brr. Aïe aïe aïe. Oh, pied de biche, j'aurais peut-être pu. Oh, il y a un avion qui est passé. On entend l'avion de largage. Donc, comme on est dans le hangar, on le verra pas, mais. Une barre lourde, non, c'est pas pour moi. Je... Ouais, il y a un largage qui est proche. Faut que je fouille les trains en fait. Les wagons. Pour trouver le matos. Ah, je suis pas du bon côté. Ou alors faut ouvrir le truc. Ah oui, faut ouvrir. Oh, ish. Oh, ish. Et là, mauvaise surprise. Une cochonnerie dedans. Poudre de zinc. Magnifique. Magnifique. Mais c'était quoi les tonneaux? Harmful. Corrosif. Eh, c'est des bidons d'acide. C'est dit corrosif. Wouah. Eh B. Et j'ai eu la folie de déclencher des explosions et un incendie là-dedans. Je suis fou. J'aurais pu faire péter tout le hangar et le quartier aurait été remplacé par un... Par un cratère fumant. Et un papier bita. M'en parle pas. T'as un corps aussi. Oula. En oh, poupon. Allez, to the go. Oh, ish. C'est vrai que ça doit être bien lourd, bien chiant à manipuler les portes coulissantes de wagon. Enfin, train de marchandises, du moins. Faut, à mon avis, il faut avoir un peu de muscle. Oh. Ah, je me disais bien qu'il y avait un truc au sol. Du café en plus. Ah ah ! Ma drogue à moi en vrai. Mon coffee. Bon, alors attends, il y a un autre... lequel j'ai pas ouvert. Celui-là, je l'ai pas ouvert. La 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 la. Ah, c'est du zinc. Il me manque la térébenthine. La térébenthine, où est-ce qu'elle est? Ça pourrait être là, sauf que c'est une boîte à outils.
Wow, c'est pas dangereux du tout ça. Ouais. Ah, j'ai encore un paquet. C'est indiqué en jaune sur mon radar, donc c'est susceptible d'avoir le matos. Y a rien dessus, non? C'est quoi d'ailleurs? Ah, c'est des téléviseurs écran plat. Au-dessus, y a rien. Non, y a rien. C'est bizarre, ça fait partie de la zone de fouille. Qui sait qu'aurait foutu de la térébenthine comme ça? Ça n'a pas de sens. C'est quoi ça? C'est une autre partie de l'entrepôt. Bizarre. La térébenthine. Ce serait dans l'autre partie du hangar? Ça se tient. Ouais, il faut peut-être que je sois un peu plus aérien et que je repasse par au-dessus. C'est toujours la même question, comment je fais mon affaire? Ah bah voilà, là il y a le câble. Faut que je chope le câble. Ou pas. Merde. C'est pas un câble ça? Oh, je suis plus assez haut. Mais... il le chope pas en vol, cet idiot. Ah, il a fait des trucs vachement plus acrobatiques jusqu'à maintenant. Et choper le câble, il veut pas. Non, ça, c'est le parachute. C'est le câble-là qui m'intéresse. Non, il veut pas. Il refuse de... bon. Non, ça s'ouvre pas non plus. Oui, bon petit dash, à plus, Zoubi, Popon. Merci d'être passé. Bon week-end à toi. À plus. Si je monte sur le couvercle de la malle, je peux tricher ou pas? Oui. oui et non. Encore que. Attends voir. Oui! Oh, quel homme! Ah, il est extraordinaire ce crane. Oui, il y a un truc derrière. Alors la question est, comment je me laisse tomber de l'autre côté? Ah, là où il y a les mecs. Ils sont encore en vie ou... Non, c'est moi qui trouble la physique du... Voilà. Ah. C'est là où le gars il se réveille et... C'était des militaires les gars. C'était des militaires. Comment ça, 24h30? C'est bizarre l'indication sur son dispositif. Enfin bon bref. Et là je tombe comment sans me faire bobo? Voilà, je me suis fait bobo. Ah bah tiens. En guise de dédommagement. C'est pas de la térébenthine, mais c'est pas perdu. Aïe aïe aïe. Je sais pas, de la térébenthine. Qu'est-ce que des militaires venaient faire là-dedans? C'est quand même bizarre cette histoire. Oh. Oh. Des petits clous. Des ch'tits clous. Petits conserves et paquets de clopes.
Bah, ça fera de la thune bonus dans le jeu. Toujours ça de prix. Je sens qu'il va y avoir une mauvaise surprise derrière une porte. Oh merde! Bah, ah! Il l'a lancé, mais il y a eu un décalage. Ah bah, comment tu veux esquiver un truc qui a été lancé avec un décalage? C'est ballot, ça. Voilà, j'ai gagné mon... Ah, il y en a un deuxième? Ah non, il est juste derrière, le suivant. D'ailleurs, attends, je vais ouvrir celle-là. J'ai... Oui, non, d'accord. Allez, au suivant. Oh, il y en a plusieurs. Bizarre. Ah, mais il a encore son arme projectile dans les pattes. Ah, plus maintenant. C'était un tuyau d'eau. Ah, il a encore sa tête. Violence. Ah oui, il a encore sa tête. Oh merde, ça c'est la Terramantine. Je voulais pas la choper comme ça, la Terramantine. Je voulais achever le zombie. C'est pas grave. Et c'est là où j'assomme et je neutralise le zombie à coups de bidon de térébenthine. Juste énorme. Je peux pas prendre le deuxième, non j'ai pas le droit. Bon, ce sera peut-être pour une autre mission plus tard. Ah bah tiens, il y a même un troisième. C'est pas perdu. Ouais, camouflage, tu parles. Il y a rien au-dessus, des bidons, non, il n'y a pas de surprise. Bonne comme mauvaise, il n'y a pas de surprise. Oh, j'ai réussi. Il n'y a pas... Ah si, il y a une sortie. Il y a un compartiment bonus. Et j'ai failli le louper. J'ai failli louper le bonus. Et je ressors par là. Oh, merveilleux. Merveilleux. Le coffee, les clopes. Encore du coffee. Et ça, c'est des piles. Bon. Ah, c'est une réserve d'écran, d'écran plat, dis donc. Ils stockaient des écrans plats ici et des vieux téléviseurs cathodiques. À mon avis, il devait y avoir un échange pour leur cyclage. Moins 20% si tu fournis ton ancien téléviseur. Bon, bah mission accomplie. Faut que j'aille voir camarade Zaide. Alors, j'ai recommencé la même manip que tout à l'heure. Là, 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 là. Hop là. Et j'ai lamentablement merdé ce que j'avais réussi précédemment. Je suis en joie. De la M2, oui, de la M2, c'est ce que je suis en train de vous faire et j'en suis navré. Non, je peux pas aller par là. Comme ça. Oh oui! Oui, 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 oui. Non! Ah, j'ai merdé. J'ai posé mon doigt sur la mauvaise touche. Au moment de m'élancer, j'ai senti que j'avais les doigts qui étaient mal positionnés au niveau de mon clavier de jeu. Voilà, c'est courir et sauter que je vais faire. Et il me chope la corde au moment où je voulais l'ignorer. Tiens, pour pas l'ouvrir ça, si, tiens, on peut.
Allez, on va se faire plaisir. Tant que j'y suis encore. Il y a peut-être une bonne surprise, non? Allez, inspection de marchandises. Non, je l'ai dans les cululus. C'est quoi ça? C'est rien, c'est un bug de texture. Oh là 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 là. D'ailleurs, une fois sur le toit du hangar, il faut que j'entretienne mes armes. Est-ce qu'il peut me faire le saut en ignorant la corde? Merci. Oh, punizoum. Oh merde, ça va être l'aube. Faut que je me trouve un abri et vite. Bon bah finalement je vais faire mes armes dans l'abri le plus proche. Kurt, elle est où la plante la plus proche, dis donc. Ah bah allez voir Zaïd, on va aller là. Merci, j'ai cru que le jeu allait m'envoyer paître en me refusant de mettre mon indicateur géographique. Attention le saut, élan et saut, impulsion magnifique. Il a fait ça comme un vrai Yamakaki. Et c'est ça qui est beau. Est-ce que je peux rejoindre le bus qui allait rouler sur le hangar? Pas mal, le bus qui allait rouler sur le hangar, c'est juste énorme. Oh non, un péteux. C'est horrible parce qu'on a entendu hurler. Je sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant dans le bus ou pas. Non, il n'y a même pas de... Il n'y a pas de bagages et rien. Ah si, là il y a une serviette. Ouais, c'est pour aller dans les hangars, en fait. Ah! J'ai trouvé des rouleaux adhésifs dans le... Enfin, du moins, un rouleau adhésif dans le bagage. Je l'aurais pas fouillé pour rien. Il a lui donne pas du loot spécial, ce monstre. Non, il m'a donné du pognon. C'est quel monstre qui peut donner sa chair, là? Je sais plus quoi, c'est un truc rare. Évidemment glauque. Bon, faut pas que je flâne trop non plus, parce que quand la nuit va arriver, je serai mort. C'est vrai qu'il y avait un marathon ici. Oh là là, il y avait des jeux esthétiques. Comment je descends sans me faire bobo? Oh là 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 là. Remarque, je peux rejoindre mon... Non, il y a rien dans le show. Oh là 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 là. C'est haut, j'aurais pas dire, mais. Ou alors je marche sur le côté. Ah, c'est des zombies sur la route. Ah oh. Et bah, aïe. Et voilà, je me suis bien fait mal. C'était prétentieux de ma part. Passer d'un échafaudage à l'autre. Oh! L'attire pas la concentration de champignons. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. J'en connais qui vont me faire suer. Alors. Ah, ah, ah. Comment je vais faire reculer l'autre nunuche qu'elle est m'agripper? Je suis en zone sécurisée, nananana. Eh ben voilà, je vais pouvoir refaire mon inventaire. Ok, tout va bien. Bah alors. Vache, c'était la violence. Ah, ça en a dégommé plus d'un. Ça les a calmés. Ouh. Bonjour, tu es une scène. Aïe aïe aïe. Non, il a rien à me dire. Il est désabusé. Il est stoïque là, il est bon. Ah, c'est lui qui voulait le matos. Alors, t'as trouvé? Fais voir. Oh oui. Oh oui, c'est génial. Tu me sauves la vie. Je crois que c'est le début
Une magnifique... Arrête tout de suite, on n'est pas amis. Non, bien sûr que non. Une magnifique collaboration. Même pas. Écoute, tu m'expliques comment tu fabriques tes fusées et je m'en vais. Ok, ok, pigé. Marché conclu. Reçu 5 sur 5. Arrête. Je me tais. Il est space, le mec. Ah. Plan de fusée. Cool. Oui, je suis debout tôt parce que mal dormi. Donc, sachant que j'arrivais plus à dormir, je me suis mis debout à 6h du mat, en fait. J'ai dû me lever exactement à 6h15 du matin. J'aurais aimé faire une grasse mat, mais non. J'en ai pas eu le bonheur. Donc vous allez m'avoir zombie d'une certaine manière toute la journée. Je vais être dans les vapes. Alors. Est-ce qu'il y a quelque chose à me dire? Ah oui. Oh, la tête des mauvais jours. Oh, 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 oh cette tête. Oh, 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 oh la vache. Il a pas aimé que je lui annonce le décès des anciens survivants là dans l'immeuble qui sont retrouvés piégés par les arcs électriques. Enfin bon. Ouais, bon, je vais laisser la porte fermée. C'est où que j'ai mon plumard et mon... Attends... Ah, c'est au-dessus, la planque. Ah, c'est là où je me restaure et que je me repose. Voilà. Là, j'ai mon sac et le plumard. Ah bah, c'est le canapé, en fait. C'est le canapé. Alors, gestion d'inventaire. Et achète médiéval. Je les mets en réserve, mais... peut-être que je m'en servirai un jour, je sais pas. Alors... Ça, c'est du bon. Ça, c'est... Autant dire que c'est foutu, je vais le démonter. Ça, pareil, c'est foutu. Foutu pour foutu. Ça, pareil, c'est quasiment... Enfin, il y a encore un usage, mais... Oh, je la démontrerai après. Non, celle-là, elle est valable. Il faudrait que je me refasse une arme spéciale. Eh ben, couperet, oui, c'est un truc que j'ai pas de... Oh, couteau à dépecer. Oh, la vache. La violence, rien que dans la terminologie, c'est violent. Booster d'endurance. Ouais, oh, je les garde sur moi. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il m'a fait un coucou dans mon Discord à 5h du mat. Donc je pense qu'il allait se pioter il y a 2-3 heures de ça. Ouais, on se relaye. On se relaye. Ah, puis c'est soir qu'on, la nuit prochaine qu'on change d'heure. Ah, dur. Oh là là. Voilà, un rein d'enflé. C'est des enflés parfois qui peuvent donner leur rein et c'est une pièce de, si je puis dire, de chimie. Bien glauque, bien trash, mais c'est le cas. Génial, j'ai fait tomber mon écouteur. Alors, le point sur les armes. Est-ce que je prends un truc supplémentaire, oui ou non? C'est vrai que j'ai ma quatrième qui va lâcher, donc je prends quoi? Il faut que je me prenne autre chose. Une faucille, il paraît que les faucilles c'est pas mal. J'ai quand même pas utilisé un flingue de la police, si.
Ouais, non. Si j'ai un boss spécial, je sais que j'ai de la réserve. C'est pas mal, ça. Alors, personnaliser l'arme. Brûlure. Allez, ça va en faire une arme qui brûle. Améliorer. Est-ce que j'ai un truc? Bof. Apparemment, ça vaut pas le coup. Compétence. Ah, pour une fois que ça... Oh, ça va pas tarder. Hein. Agilité survivant. J'ai bientôt la barre à fond. La théorie du Big Bang, activer la bombe. Ah, mais je vais pouvoir le faire de nuit. Oh, putain, ça va être chaud. Oh, je vais essayer de faire la mission là au lieu de me pioter. Je vais prendre le risque d'y aller de nuit. C'était. Oh, c'était pas si loin. C'est si jouable. Vite, c'est la nuit, dans 5 minutes même pas. Vas-y voir que j'y aille à donf. Aïe, attention. Ouais, la nuit arrive, c'est bon, il y a les premiers... Ouais, il y a les spectres. Mais c'est bien, je me rends dans le fameux tunnel, là. Ça m'arrange. Merde, il y en a un devant moi. Il y en a un qui va me les briser. Ou alors il est en dessous. Non, il est là. Il est là. Avec un peu de chance, il va pas se retourner. Il ne va pas se retourner. La. Il ne va pas se retourner. Merde, il y en a un qui m'a repéré. Je suis dans la merde. Surtout que j'ai loupé le tunnel qui est en contrebas. Je suis dans la merde. Ah, merde. Le bus. Ça fait moins mal. Ah là, je suis dans la mouise. Oh la vache! Je peux même pas fuir. Oh la vache! Wouh! Et merde. Et merde. Ah, oh, je suis si proche de la quête. Zibroche. Hop là. Oh, j'étais je sais pas où. Ah, j'étais là-bas à l'opposé, je crois, au niveau de là. Oh, il y a un avion qui passe de nuit. Non, sérieux? Je l'ai pas vu, mais... Ah, le voilà. Oui, il y a un largage pas loin. Bref, le tunnel. Ah, il y a un coffre à fouiller. Ouais. La superbe lampe à UV. La lampe UV. Ah, encore un coffre. Alors, la bombe, elle est là. Voilà. Ça a marché. Boom.
Victoire, ça a fait sauter le nid et la barricade. On peut emprunter le tunnel maintenant. Hé hey, tout ce que je fabrique, ça explose. Viens me voir et je te donnerai le plan. Ah, je veux bien. Oh, ça a ouvert les accès latéraux. Oh la vache. Wouh, il y a des gravats partout. Wouh, énorme. Bon, je suis pas invité à aller au-delà, mais... Merde. Non, faut que je me barre de là parce que... Aïe, 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 aïe. Si je me fais coincer dans un cul-de-sac par... Je me suis pris une châtaigne, là. Ah, merde! Mais oui, je passe sur un truc où il y a le... la flotte et j'ai un truc électrique. Tu m'étonnes que je me suis électrocuté moi-même. Merde, lui va me voir. Oh là 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 là. Non, je la sens pas. Comment qu'il a passé son chemin? Attends, et puis il est où le mec? Oh, il est pas si loin que ça. Oh, c'est jouable. Si je fais pas l'idiot, je pense que je peux le rejoindre sans me faire repérer. Merde, j'ai fait du bruit accidentellement. Merde. Ah, regardez mon radar, hein. Je sais pas si vous voyez mon radar, mais j'ai plus le droit de bouger. C'est bon, il m'a oublié. Hop là. Discrètement, ça va, j'arrive à faire mon chemin. J'y arrive. Merdoum. Il y a un rapace qui est proche, il va pas m'aider lui. Allez, monte. Mais quel abruti. Tout ça parce que c'est la porte du bus. Ah, barbelé, je peux pas. Merde, il y a un rapace. Ouh ! Heureusement que c'est la porte d'à côté. Salopard de rapace. Ouais. C'est pour toi. J'ai un peu modifié le contenant. Des canettes à la place des batteries. Ça pète moins fort, mais les canettes sont plus faciles à trouver et à transporter. Merci, Kurt. Succès déverrouillé, succès est une... Kyle est une star. Ok. Bombe de Kurt. Ah, tenue débloquée éclaireur. Ah bah, on va se changer tout de suite. Oh mon dieu. C'est... Ah non, c'est un zombie lambda. On va se changer tout de suite dans la planque de Jafar Well Station. Eh, un peu de pudeur, je vous prie. Si vous parvenez à survivre de nuit hors des zones sécurisées, vous touchez un point bonus de survie. Oui, bah oui. Alors attends, la tenue. Merde, j'ai déjà oublié le nom de la tenue. Merde, c'était quoi? Ah, c'est dans l'inventaire que je change. Éclaireur, hein, ils ont dit. Oui, c'est le sac, voilà, tenue. Éclaireur. Ah, c'est ça que j'ai gagné maintenant. Eh ben, on va se mettre en éclaireur.
autant fêter la nouvelle, les nouveaux fringues. Oui, compétences. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Oh, grappin. Apprenez à fabriquer et à utiliser un grappin pour traverser plus facilement certaines zones. Si vous perdez votre grappin, vous pourrez en obtenir un autre en parlant à l'intendant. Oh, oh, oh. Je vais jouer à Spider-Man. Je veux jouer à Spider-Man. Compétences déverrouillées. Vous pouvez choisir la récompense depuis votre planque dans n'importe quelle zone sécurisée ou en parlant à l'intendant. Mais oui. Je dis oui. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est quoi ça? Ah, régénération de santé niveau 2. À mesure que votre corps se renforce, vous pouvez régénérer davantage votre santé. Et ben voilà. C'est complètement craqué. C'est tout trouvé. Merveilleux. Oh là là. Puissance, c'est pas pour maintenant. Mais c'est bien là. D'avoir eu deux récompenses, top. Oh, yo, yo, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Plan de développeur. Bombe de ouf. Ah, il faut des algues sous-marines. Et ben voilà, ça c'est un objectif à faire. Au petit matin, là, je vais aller près des quais me chercher de la... Ah, obtenir 5475 points de survie. Je valide. Non détecté. Une heure plus tard. Ça aurait été une petite sieste. Eh ben, je vais aller chercher des algues. Quête tertiaire d'importance. Ben, y a des herbes de mariée nocturne, mais là, il fait jour. Non, les algues, c'est là? Non, c'est de la lavande, ça. Merde, je sais plus, c'est... Ah, il y aurait des algues sous-marines par ici. Ouais, attends, je vais plutôt mettre le repère là. Bon, on va se faire une belle promenade dans la ville. Oui, il faut que je sorte du truc sécurisé pour voir mes armes. Ah bah tiens. On va tout de suite en faire les frais. Ah non, tous mes trucs sont... Ou alors... Ah, j'ai oublié de m'équiper d'un bordel. C'est quoi le... Ouais, c'est celui-là qui me restait. Voilà. Ouais, la batte remarquable, elle va vite se briser et puis je passerai à autre chose. Voilà, c'est celle-là qui est quasiment pétée. Attends, il y a la quête de Jed aussi qui me... Je serais bien les herbes de mariée nocturne avant. Bon, moi, j'aurais fait toutes les quêtes secondaires. Attends, c'est quoi ça? Non, ça se ramasse pas. Bon, faut pas que je traîne. On est à Zombieland. Je suis fou, je passe dans les wagons alors que je peux avoir des zombies dedans. Ah, cette prise de risque. Oh, calmos les zombards. Quel émoussé. Ah ouais, c'est pas cool d'être arrivé par ici parce que là ils sont nombreux. Ah, c'est une... Ah mais oui, c'est une zone sécurisée, dis donc. Ah, ils se sont plantés dedans. Les nigos. Ah, ils repartent dégoûtés. C'est rigolo. Ah, ah, je pourrais prendre l'explosif et la rebalancer. Il n'y a personne ici. Avec certaines planques, peut y avoir des marchands, mais là, il n'y a personne. Ah, cadeau. Ok.
cadeau, cadeau. Ouais, c'est un laboratoire de physique chimie. Oh, ça peut servir. Ça peut servir. Voilà, planque de joueur, une autre. Oh là là, ce gâchis. Pouk. Alors, sortons bien. Il y a beaucoup de... Oh merde, j'ai fait trop de bruit. J'ai fait le vacarme avec le truc et puis... Oh là là. Oh là 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 là. Oh oh oh. Il y a des défenestrés en flammes. C'est... Merde, hein, je suis pas excité. Alors lui, il faut que je m'en débarrasse. Waouh, 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 waouh. On se calme. Ah oui, non, mais non. Mais ils sont trop nombreux, là. J'aurais eu 2-3 zombies, j'aurais pu... survivre, hein. Où ça? Ici? Ah oui. Merci mon frère. J'allais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Bon. Il y a de ces trucs à fouiller. La 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 la. Pardon. Oh oh. Ah, ah, je prends le fric et je me barre. Oh tiens, une échelle. Tout là, tout est... Ah, des ch'tis clous. Des ch'tis clous. Ah, des trésors. Alors, intermédiaire. Qu'est-ce qui se cache dans la boîte à cadeaux? La boîte à cadeaux. Oh merde. Merde, meurs. Mais qu'est-ce qui me résiste le... Qu'est-ce que j'ai, la tablette qui se met à chanter? Ah, la fin... Non, elle a pas fini de se charger. Je sais pas. Ma tablette qui s'est mise à chanter. On est loin de... de la côte avec les algues, hein. J'ai encore une petite trotte à faire. Ouais, c'était sûr que j'avais du monde qui m'attendait. Hop, l'ambulance. Alors, hop là, on se barre par là-bas. Hop, nickel. Merde, j'ai une excité qui me poursuit. Oh. Je crois que j'ai littéralement planté la madame. Ah. Oh, mais c'est la baraque du pervers, là, celui qui voulait violer le gosse, non? Ah non, je confonds, c'est pas... Ça ressemblait, mais non... Il y avait un jardin, et c'était plus en périphérie de la ville. Ah, elle était horrible, cette quête-là. Le gamin qui allait se faire abuser par le pervers. On aura fait tout le... 50 nuances de glauque, en fait. C'est le deuxième nom du jeu. Tu ou à gaz, non, je m'en fous. Oh, plan de couronne. Merde! Mais il m'a repéré de loin, lui!
C'est pas possible! Ah, j'entends la respiration d'un mec en combinaison. Si j'ouvre la porte, je suis mort. Je l'ouvrirai pas. Pas que j'oublie mon objectif d'aller chercher des algues. Oula, il y a du monde par là aussi. Mais... Lolololololololo. Merde, on y retourne. Oi, oi, oi. Ah, ils sont un chien. Ouais, allez, je vais prendre de la hauteur parce qu'ils sont un peu nombreux. Un peu collants. Tiens. Quelle idée de ranger. Bon. Mettre une boîte de conserve là, quand même, dans l'armoire, c'est pas très logique, mais bon. Ah, soupir. Oui, j'ai plus besoin de lampe torche. Ah, intermédiaire, j'ai une bonbonne de gaz pour faire mumuse. Alors, je vais me garder le coffre au trésor une fois que j'aurai... Oh, allez, je me tape un petit délire. On aime les petits délires. Boum. Boum. Oh. Oh la vache. Bonjour Noyonnais. Oui, c'est parce que j'ai mal dormi. Je suis réveillé depuis 6h15 du matin. D'ailleurs, j'ai encore au présent mal au bide. Y a un truc qui est pas passé hier soir dans ce que j'ai mangé. Alors comme j'ai mangé plusieurs trucs, des restes. Et le seul truc de frais que j'ai mangé, c'était de la salade de céleri. Et peut-être ça m'a bouffé trop acide, je sais pas. Et puis des vibrations dans le quartier, enfin bref. Je pense que j'ai mon quota de sommeil, mais de manière légère. Donc je vais être... Pardon, vous voyez ? Je vais être comme ça tout le long de la journée, je vais être à moitié éteint. Mais à part ça, ça va, j'espère que toi aussi, Nayone. C'est pas grave, vous m'aurez plus frais demain. La 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 li la lou la la li loula. Oh, une amélioration d'armes, et la machette tantôt était mal cotée visiblement, mais bon. Alors, merde, mais il faut que j'aille au-delà de ce truc, moi. Ah, faut que je me joue du relief. Oui, merci Nayone. Oh, ça va, je me tords pas de douleur, hein, loin de là. Mais disons que je suis un peu barbouillé, et c'est chiant. Ça passera. Ouais. Je suis un peu dans la mouise et qu'on se la dise. Oula. La manière dont il a escaladé, c'est spécial. Voilà, moi, faut que je rejoigne la flotte, moi. Il y a des algues près du pont, visiblement. Ah, j'ai super excité tout proche. Ah, il y a un avion qui passe.
comme un avion changel. Attends, j'ai un excité, mais dans les buissons, je le vois pas. Ah, j'avais un excité, mais il est mort. Oula, attends, je vais faire un gadin, là. Ah, voilà, il est là, mon excité. L'excité n'est plus... Voilà... On n'en parle plus. Les algues sont là-bas, sous le pont, enfin au pied du viaduc. Je peux tout descendre. Oh, il y a des choses à fouiller dans le bidonville, je vois une grosse malle. Il y a des choses à fouiller. Merde. Je suis pas censé être dans le just chatting, merci cousin. Mais c'est mon... J'ai un bug. Je me suis officiellement déclaré dans le jeu Dying Light pour Twitch, mais c'est mon programme qui bug ce matin, je sais pas pourquoi. Je devrais pas être en papotage, mais bon, c'est pas grave. Oh là 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 là, ils sont nombreux. Oh là 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 là. Ah, il y a déjà une récolte sympa des herbes. Il n'y a pas du lichen là par hasard? Non. Sur la route des vacances, on pourrait croire. En dehors des zombies, l'endroit est pas si désagréable que ça. Ça se visite, ça se visite. Ah, j'ai un vendeur ici. Je vais aller voir le vendeur. Ah, puis j'ai pas essayé de me faire mon grappin, moi, l'idiot que je suis. Oh là, il y en a un qui a giclé tout proche. Il est où le vendeur? Il fait dodo? Bon pour toi, mon gars. Il fait pas dodo. Alors, vendre. Wouh! Près de 5 000 $ de valeur marchandise. La classe! Pété de toon! Alors, acheter. Oh, fusil de chasse double canon. Oh, oh. Barre à mine de qualité. Ouais, 5 réparations. C'est le pied de biche de Gordon Freeman dans Half-Life. Oh là là, machette de chasseur. Couperet d'abattoir unique. Oh, oh. Quand tu veux jouer au boucher. Flèche incendiaire, tiens, tiens. Munition spéciale pour l'arc. Mettez le feu à vos ennemis et regardez-les brûler sous vos yeux. Violent, je veux bien, ouais. Violent, violent. Produits chimiques. Mm-hmm. En dehors de ça... C'est sympa. Non, bah j'ai rien à vendre de spécial, du coup. Ibi. C'est bien. J'ai bien fait de voir le monsieur. Oh, petit garçon, petit bout de chou, bah alors. Ah, la madame qui était encastrée jadis dans le volet, qui bêche. Change les idées, le jardinage. Alors, les algues sont pas loin. Je veux récolter des algues. C'est loin, 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 ou j'y vais à la nage?
Ah, c'est... Ouais, c'est vrai que c'est pas la porte d'à côté non plus, mais... Il y en a dans le coin. Bon, bon, on y va. À la pêche, moule, 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 je n'irai plus, maman. Non, les gens de la ville disent que... Je sais plus. Je sais plus. Oula, il est en train de se noyer. Oula là 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 là, faut que je fasse gaffe, j'ai pas autant d'apnée que ça. C'est un athlète, mais pas un surhomme. Faut pas déconner non plus. Bon, bah les algues... Je suis pas dans le bon secteur. Merde, c'est des algues rouges. Attends, je vais aller nager plus loin. Oh, je pense que ça doit être la rive opposée. Ouais. Ça doit être la rive opposée. Respire, mon gars. Respire. Bah merde, je suis à l'endroit où je suis censé trouver mes algues. Oh, bah alors, c'est pas comme si c'était profond à mort. Bon, il dit qu'il y a un truc par là. Je vais mieux cadrer dans mon... Je vois toujours pas d'algues rouges. Non, là, je suis parti pour crever par mon manque d'apnée. Oïe, aïe, 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 aïe. La nage, c'est pas pour moi. Et où sont les algues rouges? C'est censé être une zone de récolte. À moins qu'il me faille autre chose que les rouges, mais... Comment les distinguer? Après, il faut avoir le coup d'œil. Hein. Ah, merci, Nayonet. À la pêche, au moule, 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 je peux y aller, maman. Les gens de la ville, m'ont pris mon joli panier, maman. Merci de me rafraîchir les mémoires. Ah! Une algue rouge. Ah, j'ai vu une algue. Alors attends, apnée. Il fait beau, t'en profiter. C'est pas un jour où il y a tornade, un orage pourri dans le jeu. Voilà. Oh, doit y en avoir d'autres pas loin. Bon, allez, surface. La vue, j'en vois pas. Oh, bah j'aurais aimé une meilleure récolte. J'aurais aimé une meilleure récolte. Ah, j'en vois là-bas, je crois. Voilà. Hop là. Blup, blup, blup. Oh. Quoi ? Exit price. Il y a un truc à y faire, visiblement. Sauf erreur de mon GPS. Non, là, je vois rien. Alors, est-ce que c'est un quai? Ah oui, de la zone... Oh, oh. Il vient de m'encastrer. Eh oui, c'est le quai de la zone sécurisée.
Je sais même plus s'il y avait des trucs là-dedans. Ça doit se fouiller. Pardon. Y a pas de plan, y a rien. Oh merde, excuse-moi. Oh le mec! Je lui ai rentré dans le lard accidentellement. C'était pas du tout mon but. Qui que quoi? Oh! Non, ça mord? Ah, c'est possible. Pas con. Transmission de tous les quartiers. Oui, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Ou pas. Ah, lui, c'est des explosifs qu'il propose. Ah ouais. Sympa. Oh la vache, fusil de poli du désert, 10 000 dollars. 10 000 dollars. Sympa ça. Pardon. Le signal radio n'a jamais été aussi fort. Oui, bah c'est bien de, qu'on puisse bien entendre la radio. La radio. Alors, compétences plan machin. Putain, je peux faire des trucs assez dingues. Ah, la recette de... Ah merde, j'en ai pas assez des axes sous-marines. Et la bombe de ouf, c'est ça que je voulais. Quoi? Il faut 30 algues. J'en ai que 6 sur moi des algues. Il en faut 30 pour faire une bombe. Ok. Bon, je sais que j'en ai 5 en réserve, mais... J'ai pas la petite récolte, excusez-moi du peu. Bon, je crois que je vais devoir aller à l'opposé de la ville pour le... Oui, c'est ça. Pour les algues... Allez. Et dans le jeu, il est midi. Bon, bah ça va, il me reste l'après-midi, virtuellement parlant, pour rejoindre l'autre zone. J'ai des trucs à récupérer, non? Tiens, si je récupère un peu de bouffe un peu partout, je vais me refaire de la vie gratos. Ça se refuse pas. Ouais, il y a l'étage supérieur. Oh, quelle tristesse. Oh l'horreur. Ouais, c'est bien. Je vais me faire un peu de bouffe. Alors. Aïe, j'ai un super excité qui m'a retrouvé. Allez, viens par ici, Nigo. Bon, bref. Oui, je voulais le fouiller, mais visiblement je peux pas. Donc c'est pas grave. Pardon. Là, je suis parti pour bailler à mort pendant des heures. Ma cible est... Bah merde, j'ai perdu ma cible. Ah, c'est là-bas. Oui, je repasse sur les hauteurs. Oh, j'ai une super excité qui m'a repéré. Joli! Oh, comment qu'elle s'est plantée. Magistral. Magistral.
Lui, c'est pas mieux. Bon, bref. Ouais. Faut que j'accède sur les hauteurs. M'intrigue cette demeure. Et... Poum. Oh, il y allait tout seul. Eux, par contre, c'est moins drôle. La configuration est moins cool. La configuration est moins cool. Ah ouais, il y a un truc en dessous. Oh, bah d'accord. C'est une escroquerie. Ah, nous avons un survivant. Il est l'étage du dessus, apparemment. Où qu'il est. Bah, il est où? Ah, il est dans l'armoire. Coucou. Ah non. Bah. Le jeu m'indique qu'il est en bas. Bah. Ah, il a sauté. Ah. Je comprenais plus. Je me disais, mais il fait quoi le gars? Il est passé où? T'aurais trop dû lui mettre un coup de bâton dans son derrière et te présenter le... Oui, ça aurait été trop drôle. Oui, non, mais je sais que je loupe des occasions gaguesques et puis il y en a d'autres. Non, tout à l'heure, en début de ma partie, j'étais dans un hangar et j'ai une scène très crue d'un zombie que j'ai décapité. Il a continué à se débattre décapité et puis ploum. Là, c'était violent. C'était très très gore. Oh, on en aura d'autres des scènes comiques dans les heures qui vont venir. Y a pas un plan. Y a un plan dans les chiottes. Moi, leurs chiottes sont propres. C'est pas comme dans d'autres jeux. Où c'est dégueu. Où c'est dégueu. Où c'est dégueu. Alors, fouillons bien les lieux. Et allez, zombies. Ah non. Cette porte a été condamnée. D'ailleurs, je vais me détendre les jambes. Fallait que je me détende les jambes. Comme dans le film Les Visiteurs, le soldat continue à marcher durant quelques instants. Zombie pareil. Ouais. C'est ça. Ouais, l'idée, elle est là. Je revois la scène dont tu parles. Exact. Oh, ma chèque. Pardon. Pardon. Les Visiteurs. Oh là, j'ai pas vu depuis des années. C'est ok. Dur, j'ai cru que tu imitais une séance de soulagement avec les laissés. Ah ah. Non. Hop. Allez, je passe par là. Ah, il y a un... Oh là là, il y a beaucoup, là. Il y a beaucoup, il va falloir faire vite. Ah! Oh, t'as voulu se précipiter sur moi, elle s'est précipitée sur le meuble, l'autre nunuche. Nunuche! Allez, pan! Je me barre, et boum! Oh là là, double explosion, on n'en parle plus. Boum, boum, boum. Oh, l'autre excité va se calmer. Ah bah, je l'ai décapité. Ah ah! Elle s'est présentée à moi, quick! Plus de tête.
fini. Oh, il y a encore des zombies. Hein. Oh là. Oh là là. Il y a quelque chose au-dessus, c'est pas possible. Bon, ça y est, j'ai l'enragé qui m'a repéré. Allez, ma grande, monte. Non, visiblement, elle s'est découragée. Ah, elle m'a trouvé. Voilà, ça c'est fait. Ta ta ti ta la ta to. Ti 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 ti. Oh, il y a un non, peut-être pas. Ah, je sais pas. Vous devez avoir accès différemment au toit. Ouais, mais si je pète le toit, je vais attirer tout le monde. Mais je m'ouvre un accès. Voilà, par les barreaux. Voilà. Ah, quand même. Activer la radio. Hop, hop. Merde, j'ai un crasheur de... Il est où, lui? Oula. Merde, bah, je suis tombé. Oh! Ah, il est là, le crasheur. Attends, faut que je me débarrasse du vomito d'abord. Bah, il est où? Il est où, le vomito? Non, ça, c'est un excité. Oula, la rambarde y est passée. Oh là là, ils sont nombreux. Oui, 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 ils sont nombreux. Allez, hop là, boum. Bon. Bon. Je vais peut-être attirer un peu de... Ah! Mais... C'est le vomito que j'aimerais retrouver. Il y avait un vomito, mais j'ai pas pigé. Il était où, le vomito? Ah, il était dans la rue. Ok. Ouais, tu parles, il m'a repéré. Ils ont une portée, ces salopards. Oh là, monsieur Muret, là, calmez-vous. Là, là, vous trichez, monsieur Muret. Ouf. Ouf, violent. Des soins, j'en ai besoin. Alors, le vomito. Ah, le v'là. Le v'là, le vomito. Le vomito. Oh là là, j'ai deux super excités. Joli. Bon, il y en a d'autres ici. Ça va, ils sont relativement éparpillés, c'est gérable. Et hop, un petit bus. C'est beau, j'aime bien le paysage. Ah, je suis poursuivi par un super excité. Merde! Oh, il a cassé mon attaque. J'avais chargé mon coup, et puis le coup qui m'a foutu au bide, ça a complètement cassé ma charge. Alors, vous avez été plusieurs à me dire que... Oh merde, mon arme, elle est pétée. Vous avez été plusieurs à me dire qu'il y a une super arme. Je me demande si parfois la super arme ou le plan est pas dans le fond, le lit d'une rivière, un truc comme ça. Ou dans un tuyau d'égout. Merde, j'ai loupé.
Merci, madame. Quick. Ah non, il est pas mort. Là, il l'est. Alors, je dois aller par où? Ah, il y a peut-être moyen d'escalader, non? Oh, des végétaux! Je veux faire mon chimiste des végétaux. Oh oui. Pa-pa-pa-da-pa-pa. Des petits végétaux. Ta-ta-ti-tu-ti-tu-do. La 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 la. Donc je me suis coincé parce que là le ah le grappin, merde. Attends, est-ce que je peux me fabriquer le grappin, oui ou non? Attends, j'entends un bruit bizarre. Oh, j'ai un bruit bizarre au niveau de mon ordi. J'espère que j'ai pas un câble, un ventilo qui est... Attendez, 30 secondes, sans déconner. J'ai un bruit qui émane de mon ordi qui est pas normal. Comme s'il y avait un frottement sur un ventilo. Bougez pas, je reviens. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah alors. Lampe, au moins je vais bien voir le... Ah bah non, oui, j'allais dire, j'ai ça aussi, mais c'est pas grave. Pourquoi il fait du bruit? Ah! Les moments où je m'approche, où j'entends plus le bruit. Bizarre. Je pourrais pas lire. Ah bah tiens, tant que je suis là, j'en profite honteusement pour ouvrir les volets. J'ai un peu de lumière naturelle, quelle heure il est? Il est... Ah oui, il est déjà quasiment 10h. Waouh, on va pas le temps passer. Il est l'heure de se lever, tagadé, gadé, guidadé. Une bonne chose de faite. Goudou, goudou, goudou. Tiens, pardon, je vais me moucher. Vous n'avez rien vu. Oh, moi, je me remets à mon aise. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Il est beau, il est beau, il est beau, qu'il est beau à beau. Faudra que je retrouve ce titre dance des années 90-2000. Non, 90. Bref. Ça m'avait marqué, mais le titre était rigolo à chantonner. Il est beau, il est beau, il est beau, qu'il est beau à beau. Sometimes c'est titre. What's going on? Hey, hey, hey. Oh! 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 Eh, oh. Hey, un peu plus et je me mangeais l'avion cargo dans la tronche. Eh ben. Ah. Pop, 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 pop. Moi, que l'on puisse dire, c'est qu'on l'a vu de près. La 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 la, il faut faire de la cueillette. Colchic dans les prés, fleurissent, fleurissent. Colchic dans les prés, c'est la fin de l'été.
Bonjour, Feuillam Fort ou Catch, je pense qu'on dit en français. Je ne cherche aucun graphiste. Merci, mais non, non. Je cherche pas de graphiste. D'ailleurs, je t'avouerai que j'en connais deux, potentiellement trois. Mais non, si tu cherches du boulot de graphiste, si je devine ton propos. De mon côté, dans mon secteur communauté, en ce moment, je crois qu'il n'y a personne qui cherche de graphiste. Là, malheureusement, tu ne trouveras pas de boulot auprès de moi. Mais ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée de démarcher comme ça spontanément. Oh merde, j'ai failli ne pas le voir dans les herbes. Haha, comique. J'ai failli ne pas le voir. Oui, merci, merci, merci. Bah, bonne recherche. Bonne recherche de boulot à toi. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on m'a pas parlé de graphisme. J'en avais parlé encore l'année dernière, il y a quasiment un an. Mais là, en ce moment... Oh. Une bonbonne de gaz offerte. Bon. Non. je rigole, mais j'ai balancé la bonbonne là où je devais aller, en fait. Ouais, je vais peut-être descendre par là, ce sera peut-être mieux. C'est vrai que l'intérieur barricadé est une zone sécurisée. Oh là là, il y en a du monde par ici. Attrapé. Strik. Ah, je vais faire mon équilibriste sur la... Oh merde, il y a un vomito là-bas. Oh l'autre. Eh, chiche. Je me fais le vomito à cette distance. Ah, changer de style de flèche. Pas mal. Allez, je me fais le vomito. Joli. Oh, comment qu'il est tombé comme un caca. Visiblement, il en est mort. Oh, j'ai des couteaux de lancer. J'ai de ces trucs. Ah, ah, ah. Ah non, il y a un autre vomito qui est sur le... Putain, puis lui, il m'a repéré. Oula, attention, esquive. Hop. Ha! Efficace les flèches. Ah, boum, voilà. Oh, les beaux graffitis. Ah, on a retrouvé Cyril Hanouna. Non, je déconne. Il lui ressemble pas. Je suis méchant. Je suis méchant. Hop là. Ah, c'est une planque. D'accord. Oh, il y a un vendeur en bas. Waouh, il y a un vendeur au rez-de-chaussée. Youhou! Il y a un vendeur au rez-de-chaussée. On va faire des affaires. Un peu de bouffe. Oh, le bonheur. Que demande le peuple? Un peu de bouffe. Bande de gnougnouf. Oh, le vendeur. Qu'est-ce qu'il fout là? Ah mais oui, mais c'est la zone que j'avais sécurisée. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a une Rix. En plein dans le cul. Oh. Ah mais c'est un survivant, faut l'aider. Oh.
Ou c'est les gars de Rise? Non, c'est des survivants. Eh ben, voyez, vous êtes bons, les gars. Ça va? Vous arriviez, je croyais pas au miracle. Vous leur avez donné une bonne leçon. Bâchez. Prenez ça. En guise de remerciement. Il faut croire au miracle. Eh! Ah bah si, il m'a donné la récompense, il se barre vite, l'autre. Bon, je m'attendais pas à ce qu'il me claque la bise, faut pas déconner, mais. Bon, bref. Je sais plus. Ah, je passe par la fenêtre. Merde, non, le carreau est pas brisé. Surprise! Tu t'y attendais pas. Oh, il est pas frais, lui. Il est encore plus mal en point que moi ce matin. Ah, un vendeur. Une hachette cloutée, déconne pas. On peut zoomer sur le hachette cloutée. Violence! Oh, un sabre! Waouh! Oh! Je sens qu'il doit y avoir un katana. Sur la fin, il doit y avoir un katana dans le jeu. Ça va être délicieux. Ah là 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 là. Papaya papi, papaya papi pou. Une faucille de fermier. Fièche sa chandelle. Eh ben, j'achète. J'achète couteau de gémiteur, donc je m'en fous. Bon, les flèches classiques, je peux me les fabriquer moi-même, et un peu d'alcool. De l'alcool. Ah, 550$. Oui, j'ai pas vraiment eu le temps d'écumer les lieux, là, dans ma session de... alors. Oh là 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 là, il y en a du monde. Oh, ça va être sport. Ah. C'est pas l'immeuble de nos malheureux là de la dernière fois, j'ai l'impression que si. Hop là. Direction le bord de mer. Enfin, plutôt de la rivière, je pense. Oh, j'en connais un qui va faire un gros boom. Attends, c'est... Oui, ça a l'air vachement sombre. Non, ça se visite pas. Et boum. Il y a plein de buts à gaz. D'ailleurs, est-ce qu'on fait des choses avec les pompes? Non, on fait rien. Allez, j'ai une excité qui arrive. Oui, il m'a déjà bien frappé. Ah là là, mais... Ils vont me faire crever, les salopios. Salopios. Hop là. Ah, il y a des choses à fouiller. Voilà, ça c'est fait. Oh, je peux peut-être m'amuser un peu, non? Merde! Oh oh! Boum! Ah, voilà, j'ai fait un strike. On n'en parle plus. Quelle mousse là, madame, quelle mousse.
Allez, j'ai encore une excité. Enfin, une excité, c'est une madame. Wing. Oh, oh, cette décapitation. Ah ouais. Oh, 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 je lui ai planté la tête dans le meuble. Oh, c'est ultra gore. Oh la vache. Oh, oh, c'est gore. Oh mon dieu. Oh, cette violence. Oui, oui, oui. L'autre, je l'ai assise carrément là où je vais fouiller. Ah, ah, oh là. Oh, oh. Heureusement que je l'ai entendu gémir, parce qu'il aurait pu m'avoir. Attends, je vais sécuriser la zone, parce que... Oh, là, 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 c'est trash. Oh, que c'est trash. Oh. Oh, j'ai encastré la madame, là. Ouï, ouï, ouï. La physique du jeu est marrante par moment. Non, le plus drôle, avec les ralentis à la Matrix, il faudra que je vous fasse Fallout. À partir du 3, honnêtement, Fallout 3, je me demande si je vais pas le recommencer, alors que j'ai déjà fait. Mais il est tellement bien pour la narration que... Il y a un potentiel à rigoler, mais un truc de fou, quoi. En plus, c'est bien écrit. Franchement, Fallout, j'adore. C'est une saga que j'apprécie énormément. Oh! Vous avez vu? C'est une carte postale à la Jurassic Park. Au premier plan, là, le dino. Il y a des dessins rigolos. Et c'est rigolo. Love to, un film fictif. Oh, le dino. C'est quoi ça? Evil Massacre. Oh mon dieu. Coucou. Re-coucou, Tunsen. Papa la papa papa. Il y a des petites cartes Mimi. Super quoi? Miaou, je sais pas quoi. Killing Cloud. Le nuage qui tue. Killing Cloud. Récolte. C'est vrai que l'explosion de tout à l'heure, j'en ai dégommé pas mal en une seule fois. Et encore. Je pense qu'il y a des paquets qui ont disparu entre temps. Bon, bref, j'étais pas là pour ça. Je suis en train de me laisser distraire par les lieux. Non, j'ai rien à y faire ici. Ah, je me souviens de l'endroit. Oh, ils sont nombreux les salopards. Je sais que j'avais essayé d'escalader l'immeuble. Là, là, là. On voit qu'on est en bordure de cartes, là. C'est d'une pauvreté. Enfin, ça fait du bien de voir un peu de nature dans le... En bord de ville. Ah, c'est... Quoi? Ah, mais c'est une tombe. Fafik. Ah, c'est un chien. C'est... Ah. Alors, c'est bizarre qu'il y ait un truc isolé comme ça. Je me demande si c'est pas un vrai chien qui s'appelait Fafik, qui était peut-être le chien d'un membre de l'équipe de développement, et qui symboliquement a voulu faire la tombe en hommage... Yeah. Ce serait intéressant de faire cette étude. Peut-être que je le ferai spontanément dans les jours à venir. Faire un dossier sur les... Mener une enquête sur les hommages funéraires dans le jeu vidéo. Il y a des sacrées histoires, hein. Je crois que je vous avais déjà raconté brièvement le coup de World of Warcraft. Il y avait un pauvre gosse qui était atteint d'une maladie incurable. Et il allait mourir avant l'adolescence. Et le petit, il rêvait d'être auprès de l'équipe de conception du jeu.
Et il a été exaucé. Il y a un boss de haut niveau dans World of Warcraft qui porte son nom en mémoire, quoi. Je trouve ça très beau. Il y a Need for Speed aussi. Je crois que c'est dans Underground 2. Il y a une sépulture modélisée dans le jeu qui fait référence au décès d'un des membres de l'équipe de développement. Les boules, quoi. Mais il y a un sujet à traiter, je trouve. Mais en fait, c'est un parc. La belle statue. Bah, tu m'étonnes qu'il y a une statue dans la statue. J'étais pas venu, moi, à la statue du parc. Oh la vache, c'est beau. C'est vachement bien fait. Waouh. Un ange. Send me an angel. Send me an angel. Right now. C'est une herbe qu'on peut récolter que la nuit. Ok, la nuit arrive dans une heure. Bon, bah... Regardons. Si j'ai un monstre qui m'attaque, je suis mort. Vu la configuration des lieux, je suis mort. Je vois pas où... Oh la vache, le fusil de snipe qui a été dessiné, regardez-moi ça. Oh. Oh, oh. Oh, la fleur au bout du fusil. Oh là là, les roses. Excellent. C'est beau. C'est de l'art. Oh, petit jouet en bois. Il y avait plein de gamins dans le parc. Oh, quelle tristesse. Quelle tristesse. Bon, bah, le temps que la nuit arrive. Oh, les zombies sont assez loin, ils m'oublieront. On va admirer le crépuscule. Moi, je vais repicorer. Ouais, il est 10h, je prends comme permettre. J'ai la chance de savourer des biscuits. Enfin, biscuits. Comment ils appellent ça? Ah, mais j'ai retiré l'emballage d'origine. C'est, vous savez, ça base de noix de coco, ça. C'est bon, j'aime bien. Où vont apparaître les végétaux? Je pense que la récolte. Ah mais non. Mais je peux. Ah. Ça s'appelle de mariée nocturne, mais en fait, c'est pas de nuit. Oh, c'est trompeur! Ah bah, les v'là! Au moment où j'allais me dire, faut que je regarde à deux fois où est-ce que je peux me barrer si je tombe sur un... Oui, c'est un végétal qui doit être phosphorescent, ou alors elles viennent d'apparaître. Oh, c'est vicieux. Voilà! Oh, j'ai les 5 herbes. Alors, la planque la plus proche. Autant que je me mets... Ah, il y a un parachutage. Eh ben, je vais aller là. Voilà, ils arrivent dans 10 minutes, les rapaces. Oh, c'est graffiti. Je suis... Ah, c'est un mec qui met main sur de l'or. Le graffiti de la façade de l'immeuble est pas mal.
Eh, il y aurait un parachutage? Où ça? Alors. Ah. Ah. Eh oui. Je vais passer par le. Hop là. Ça va. Les branches de l'arbre ne comptent pas dans la physique du jeu, ça m'arrange bien. Qu'est-ce qu'il fait avec un tapis de jouet d'un gosse? Oh. Enfin bon, c'est pas perdu. Oula, fusil militaire camouflage. Tiens, c'est moins cher que les fusils mitrailleurs de la police. Lui, il est à 8600 alors que les autres sont à plus de 10 000. J'ai un pigeon qui fait le mariole devant ma fenêtre. Ça faisait éclipse. Oh, ça se couvre dehors. Oh, on va retrouver de la grisaille. C'est vrai qu'il est censé pleuvoir aujourd'hui. Tant mieux, vu l'état de nappe phréatique. Ouais, il y a petit Seb qui joue à Resident Evil 4. Oh, encore des flèches incendiaires. Putain, c'est dingue. En fait, c'est par niveau, pardon, d'expérience dans le jeu, on déverrouille des objets. C'est vraiment de plus en plus intéressant. Ah, j'ai pas beaucoup d'objets de valeur, hein. j'ai pas écumé grand chose. Bon, mon grappin, il est où? Faudrait que je retourne à la tour, l'intendant va me donner mon premier grappin, ça va être magique. C'est diabolistique. Alors, comment sont mes armes? Ouais, c'est vrai que la batte, je l'ai pas encore bousillée, la batte. Couteau militaire, je m'en fous un peu. Attendez voir. Ouais, couteau de militaire, je m'en moque. Couteau commando. Ouais, ça c'est une machette. Ah, la machette fait des dégâts. La faucille aussi. Ah bah en fait c'est le couteau curucuri là. Après kili 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 comme dans la pub. Là c'est le couteau kili kili kili. Aïe aïe aïe. Bon, je sais bien, amélioration d'armes. Et dis-moi pas que je peux améliorer une arme et que ce soit la violence. La violence. Le couteau de la violence. Ouais, non, bof. 0, 2, 2, 1, 2, 1. Ah, la batte. Oui, non, mais c'est ma batte qui va casser. Là, je peux avoir deux améliorations. Ah, là, je peux en avoir qu'une pour la machette tantôt qui est pas mal. Eh ben, je vais l'améliorer avec la. Merde, c'est pas ça quoi que je fasse. La machette tantôt. Je vais la fabriquer puis l'améliorer. Alors, une impératrice, non. Classique de zombie. Bah électrique, vas-y, allez hop. Couleur bleue, c'est que c'est violent, c'est que ça vaut le coup. Voilà, module ville. Voilà, barbare. Plus 2 en résistance et plus 2 en dégâts. Merveilleux. Ah oui, que je confirme, ça va me faire une super machette. C'est ma prochaine arme. C'est bon, ça. C'est bon. Pff, les fusées. Je m'en sers pas des fusées. J'embarque des trucs. Je m'en sers pas. Viens-moi les fusées. Pétard, j'ai... Dynamite aussi, je m'en sers pas. Tant pis, je reviendrai à la planque si à un moment j'ai besoin d'explosifs. Mais là. Booster d'endurance. Alors c'est quoi, endurance illimitée pendant un moment, combattu sans vous fatiguer? Alors, peut-être que je fasse usage de ça. Parce que j'ai des rixes qui deviennent de plus en plus balèzes avec les... Avec les zombies, là. Bon, j'apporte les herbes à Prout-Prout. Il est où, Prout-Prout?
Ouh, il n'est pas à la porte d'à côté, Prout-Prout. Il est à l'autre bout de la ville. Je vais y aller 2 jours, hein. Pas folle la guêpe. Ah, et puis il y a un... Voilà, moi qui parlais de la météo. Oh là 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 là, passez-moi ce... Blub. Passez-moi ce... Blub. 9 heures plus tard, il a fait un bon gros dodo et c'était mérité. Hop là. Alors, comment je neutralise l'électricité, moi, ici? Il doit y avoir un truc que j'ai pas vu. C'est ça? Non, c'est pas ça. Comment je neutralise l'électricité? Voilà, grande question. Parce que la source électrique, elle est où? Oh non, ne me dis pas que je me coltine à super excité. Ah bah elle s'est tuée d'elle-même. C'est ça la source, c'est ça qu'il faut que j'arrête. Non? Ah bah voilà! Ah, oh, je vais pouvoir me les faire avec l'arc et les flèches, ce sera réglé. Allez, un peu de lumière. Mais oui! Allez. Bouge pas. Ça va piquer un peu. Voilà. Pierre en pleine tête, ça pardonne pas. Merde, j'ai fait de la mouise. Mais... Merde, j'ai loupé. Non, je vise trop bas. Voilà! Il faut bien viser la tête. Eh ben dis donc. Papa la pa. Papi des pépé. Et puis il y a la récompense de ça, mais c'est quoi? Une malle blanche en difficile. Qu'est-ce que c'est? Ah! Oui! Je l'ai déverrouillé! La malle au cadeau. J'ti bijou et une machette tantôt. Tant ou tard, je l'aurais eu. Ah ah. Bah, il est où mon cadavre de... Ok, j'... Ah si, mes flèches sont là. Flèche, 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 flèche. Burp. Burp. Je me disais bien qu'il y avait un autre zombie qui se pointait. Allez, envole-toi. Envole-toi, envole... Non, pas du tout. Il s'est pas du tout envolé. Encore, allez, j'ai encore une petite cité. Berber, berber. Il n'y a pas de berber, berber qui tienne. Ouais. Encore. Allez, hop, on a porté. Encastré. Oh là là, violence. Bah alors. Mais non, mais... Oh, puis là, c'est une vilaine... C'est une vomito. De toute façon, faut que je me barre d'ici, alors... Il va péter. Oh, merde. Tout s'enflamme. Il fallait que j'aille voir quelqu'un. Eh ben, allons-y. Coucou. Oh, la tenue, la vilaine. Alors que j'ai chargé mon coup. Oh là, ils sont tout coriaces, les ennemis. Bon. Ah, j'ai cru que c'était un bon mytho, mais pas du tout.
Allez, boum. Bon. Oh, c'est un vilain. Mais si. En outrement. Le survivant est mort. Ah merde! J'avais pas vu qu'il y avait un survivant dans le groupe. Oh, quelle horreur. Eh ben. Oh, y en a plus, y en a encore. Tu m'as fait mal là. Tu m'as fait mal, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que je lui ai fait mal. Bonjour Torota. Je vais t'étriper. Il va m'étriper, oui, bien sûr. Alors, j'ai mal dormi, mais bon, ça va dans l'ensemble. Toi, j'espère que tu vas bien, Torota. Où tu vas comme ça? T'es pas bien avec moi? Allez, viens, monte l'escalier. Putain, j'ai plus d'endurance. Oh là. Allez, viens, le foufou. Sans déconner. Et ben voilà. Oh, il y a plein de choses en cadeau. D'ailleurs, là, j'ai... ouais, non, j'aurais peut-être pas dû prendre la hachette, mais tant pis, c'est pas grave. C'est un moment où je vais me débarrasser de matos. Oui, là, la serpe, par exemple, elle vaut pas le coup. Lui, il avait une machette tantôt, mais de mauvaise qualité. Des mauvaises factures, comme on dit. Ouais, tu vas très bien, c'est cool. C'est cool, mon cher Torota. Oui, ça va, tu y es retrouvé. J'ai vu sur le Discord, t'étais en incompréhension par rapport au serveur qui était pas mis à jour. Et j'en suis désolé. Que mon prestataire m'a toujours pas proposé la nouvelle version. J'espère que tu as réussi à te connecter au serveur de jeu Minecraft du coup. Parce que sinon je te referai une démonstration éventuellement tout à l'heure. Pour te montrer comment on fait. Si t'as pas réussi, il y a Christella qui était adorable qui avait donné la soluce. Mais je sais pas si t'as réussi à reprendre la main. Alors attends. Dans cet épouvantable carnage. Je suis sûr qu'il y a du truc à fouiller ici. Ah, mais c'est le magasin où il fallait trouver la vidéo de... Je sais plus comment il s'appelle, la Gabi, là. Il était rigolo, le mec. Non, il n'y a rien d'intéressant à shipper, c'est dommage. Ouais, Christelle m'a montré effectivement et ça a marché. Bon, bah c'est bien, c'est cool. Mais je finis par douter, je vous en reparlerai demain, Minecraft comme on y jouera. Je finis par douter, est-ce que c'est pas à moi de le faire finalement sur le serveur. Pourtant c'est bizarre parce que dans mon interface de client, j'ai une liste déroulante où je peux choisir quelle version du jeu je veux jouer. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Ah, ils me laissent pas passer. Hein. Oh! Oh, je l'ai planté dans le panneau de circulation. Attends, je vais passer par le parc, ce sera mieux. Ah bah c'est une zone sécurisée, ok. Ah mais oui, oh là là, je reconnais pas les lieux. J'ai beau aller déambuler dans tous les sens dans la ville virtuelle d'Aran, j'ai pas mes repères. J'y arrive pas. Nul en orientation, mec. Ah, un petit pistolet. Une hachette Highlander, oui. Il ne peut n'en rester qu'un, comme ils disent dans la... Oh, des flèches électriques. Tiens, tiens. Un objet de valeur, ça va, j'arrive à en avoir un petit peu à chaque fois, c'est cool. Alors, mon rendez-vous est là-bas. Yeah, ben, tiens, hop, je monte sur le bac poubelle. Hop, 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 j'avais pas vu que c'était un zombie, oulala. Wow, oh, oh, oh. Me suis fait peur.
Hop là. Hop. Hop. Ah. Bah, alors. Oh. Je peux passer ça quand même, faut pas déconner. Hop là. Aïe. J'ai chaud de fou. Activez le. Oh là 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 là, il y en a du monde. Allez, va péter toi, qu'on rigole. Ah non, merde, j'ai mal. Je croyais que j'avais endommagé sa bouteille, mais non. Tiens. Bon. Ah, ah, bouge pas. J'ai gagné. Oh, 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 magnifique. Magnifique. Merci de me laisser passer. Hein, faut que je passe par le tunnel. Allez, viens l'enragé, je t'attends. Je t'attends, je t'attends, je... Merde! Elle va m'avoir. Elle va m'avoir, la vilaine. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Mais elle est où? Mais... Elle... Vilaine! Ah non, c'est quelqu'un d'autre. Ok, il y en a deux. Je préfère ça. Je me disais aussi, là je comprenais plus d'avoir des super zombies à ce point. Oh. Mais... Oh, il a fait un 360 là. Là il nous a fait du Michael Jackson le zombie. Énorme. Bon. Putain, mais il en vient de partout, c'est horrible. Hop là. Non, je peux me re-soigner parce que là je suis en sale état. Et ben voilà, décapitation. Burp. Je pense qu'il faille aller dans le tunnel pour en rejoindre l'autre bout. Hey, calmos. Oh là là, oh là là, oh là là, j'y vois plus rien en plus. Ah bah oui, c'est tous des super zombies, c'est vrai. La lumière, ça va me sauver, ils aiment pas les UV. Oh là là, j'en ai 50. Mon point de... Non mais je vais me faire cerner. Oh, puis il y a un vomito. Ouh là là. Non, 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 non. Le vomito, faut qu'il meure. Mais non, mais j'en ai 50 contre moi. Mais calmez-vous. Ah. Merci. Merde. Mauvaise idée. Je suis dans l'eau, je cramerai pas. Attends, tiens, je vais aller sur le toit de la cabane. Et hop, je vais m'en débarrasser comme ça. Voilà, on n'en parle plus. Bon bah, ah non, il y en a deux. Ah oui, non, c'est, il n'y a plus qu'une super là-bas. Ouais. Allez, Cuic, elle est morte. Ah, j'ai un... Merde. Bah, ah, je suis sont passés. Oh, les cons. Allez, plan. Voilà, on n'en parle plus. Ah, dur. Dur, dur, dur. Alors, la suite, elle est... Encore? Attends, c'est pas vrai, il y en a 650. Ah, mon point de rendez-vous est là-bas. Oh là là. Ah,
Ah, ça fait plaisir de retrouver entre guillemets des zombies normaux. Oh, le carnage. Ah non, c'est un zombie, non. J'ai rendez-vous par là-bas. Je sais pas où exactement. Bah alors. Ah, ah. J'allais dire, je vais récupérer un pack de soins, mais il y a trop de zombies. Hein. Ah, c'est dans le village de pêcheurs. Bah, je coupe. Ouais, je vois le truc. Oh, il y a du lichen. J'ai vu du lichen. Attention. Ah, c'est cool. Lichen. Ouch. C'est bon, chat. Merde, un vomito. Oh là 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 là. Ouch, merde. Je vais me faire buter, je vais me faire buter. Mon point de rendez-vous était là-bas, du coup j'en suis perturbé. Et mon grappin, j'aimerais avoir mon grappin. Je ne désespère pas. Oh les villages. Oh, merde, voilà, ça craint là. Oh, on va rigoler. Encore. Allez, tourne-toi, Benoît, tourne-toi, tourne-toi. Oh oui, Benoît. Ah bah non. Hop. Oh, je voulais faire péter, ça aurait été rigolo. Non, c'est encore un... Non, c'est pas un vomito. Donc j'arrête de voir des vomitos partout. Hop là, attention. Alors, le vendeur, il est où par ici? Je sais plus. C'est par là-bas. Pêcheur. Pêcheur. Là-bas. Dadidadidouda. Lumière. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous avez à vendre, monsieur? Ah, des flèches électriques. Non, mais, hé. L'inventaire, il est magique. Je suis en mode Rambo, là. Un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fifou. Attends, elle est où? Elle est en... Oui, on capte beaucoup mieux, je sais. C'est... Ah bah, ça voilà, c'est lui mon contact. C'est ce monsieur. Ah, c'est le vieux loup de mer. Ah, ah, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Encore toi? Dis à Rice qu'il peut aller se... Oh, tu m'apportes des herbes? C'est génial. Je vais plus avoir besoin de voler pour manger. J'ai pas trop pigé dans quel camp t'étais. Ouais, peu importe. Voici ta récompense. Tu la mérites. Ah bah, cool. Alors, prochain objectif, obtenir le grappin, mais je vais aller à la tour. La tour, elle est là. Tiens, apparemment, j'ai une quête qui m'attend. Ouais, je vais à la tour en coup de vent. Et je lui ai scindé en deux mon enregistrement là, parce que ça fait une grosse vidéo pour YouTube quand même. Et en contenu, c'est assez dingue. Parce que là, je vais peut-être jouer jusqu'à 13h et des brouettes à Dying Light. J'en ai très envie. Je m'éclate, je prends mon temps, je m'amuse. C'est 100% bonheur. Ouah non, il y a une excité. Bah, j'ai plus d'endurance et puis j'ai l'excité qui arrive. Non. Oui, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Je pourrais même pas fouiller son cadavre et tomber dans les herbes, je la retrouve plus. Attends, je fais n'importe quoi. Oui, il faut que je regrimpe. Bon. Et ben voilà, il y a des escaliers. Hop là.
Oh, je résiste pas. J'ai trop envie de me faire la malle. Ah bah non, il y a trop de monde. Oh, j'ai trop de poursuivants. Je renonce. Je suis lâche. Je renonce. Merde, et oui, je suis pas du bon côté de la ville. Bah oui, il faut que j'aille dans le tunnel. Oh, ça craint. Ah, faut que je me coltine le tunnel. Ça va, visiblement, il n'y a pas de... Il y a moins de populace que j'aurais pu le craindre. Ah mais merde, je peux pas passer par là, visiblement. Ah. Alors, ce qui est intéressant, c'est le fourgon de la police. Ça, par contre, il peut y avoir un gros gain. Génial, du premier coup. Alors, inventaire plein et baramine. Bon, ben voilà. Merde, mais je veux passer. Ah, il faut passer. Ah, challenge. Il faut passer par les couloirs. Par les corridors. Qu'avons-nous là, Canigula? Oh, oh, coffre difficile. C'est bon ça. C'est du bon matos. Attends, je regarde à deux fois que je vous fasse pas avoir par les développeurs, les concepteurs, et que je loupe un trophée. Je cherche éventuellement des petites statuettes trophées. Je veux les collectionner, quitte à passer tout l'été à rechercher. Merde, j'ai plus de voix. Dans les boîtes à préfabriquer. Ah, intermédiaire. $9. Le butin de misère. Il est où le butin? Bah on peut pas toujours être gagnant forcément. Ah, plastique c'est bien ça pour faire des pétards. Des pétards. Oui, j'étais passé par là. Attendez, je regarde le local là, il y a rien. J'aime bien la partie là, ça fait vachement Resident Evil. J'ai l'impression de faire un Resident Evil à la première personne. C'est stylé. On se croirait dans les laboratoires d'Umbrella. Trop bien. Bon, j'ai plus besoin de... Ah, fourgon de police. Ah, m'a fait peur ce con. Il m'a fait peur. Oh, il va se relever. Et bon, on se barre. Boum. Alors, très difficile. Yes, je l'ai eu. Oh. Ouais, inventaire plein. En fait, j'ai un problème de riche, j'ai trop de munitions. J'ai trop de munitions. J'ai trop. Attends, je peux fermer la lampe torche parce que sinon je vais les exciter. Je veux regarder la tour. Elle est où la tour? Elle est après la route ou elle est... Mais pas du tout, je suis... Attends. Ah, je me fais... Attends, c'est quoi l'objectif? Ah, j'aide dans le wagon. Mais non, mais oui, mais oui, oui. Je comprends, c'est la quête principale, mais c'est pas du tout là où je veux aller. Pas maintenant. Oh là 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 là. La tour, la v'là.
Allez, cours, Forest. 1, 2, 3, 4. Hop, mori. Là, je vais peut-être passer un peu par les toits, non? Merde, il y a... Il y a quelqu'un à secourir. Saloperie de bouffeur d'homme. Merci pour votre aide et pour avoir envoyé ces enfoirés en enfer. Oui. Je les ai envoyés en enfer. Papa palipou, pipi, pipi. Ça s'ouvre ça ou c'est. Non, c'est fermé. Ils se sont barricadés. Bonjour Christella. Alors j'ai pas spécialement bien dormi, mais ça va. J'espère que toi ça va bien, Christella. Merci à toi d'être là. Oui, merci aussi, mais il faudra que je t'écrive un petit mot. Faudra que je le fasse tout à l'heure. Merci, j'ai vu que t'avais contribué à la cagnotte du serveur, sachant que t'avais déjà donné sous forme de bits, je m'en souviens encore. Et merci tout plein, bisous, t'es adorable. Ah oui, c'est par là qu'on monte. Bon, bah, je vais scinder ma vidéo en deux. Voilà. Là, c'est intéressant au niveau du... Bougez pas. Je vais juste pour YouTube, parce que ça fait une trop grosse vidéo, sinon. Je vais scinder... Ça fait quoi? Ça fait presque 3 heures déjà que je joue. Et je m'apprête à faire encore 3 heures, alors.